c'est quand vous avez fini le dernier kyo, qu'on soit en position, voilà. Et tout de suite je vais passer. Est-ce que j'ai trop gigoté? Non, c'est très bien. Tu sais, je me disais même, bon, après, c'est encore une fois en fonction de l'espace et des possibilités de sortie, parce que les hommes, du coup, et les femmes, vous sortez toutes de l'angle là-bas. Mais je trouve que ça serait beau que vous soyez les deux hommes avec un instrument dans cette diagonale-là, que toi, plutôt qu'être au centre, que tu sois au fond, et toi, qu'on ait cette diagonale-là. Et puis, du coup, les messieurs qui entrent, au lieu de vous faire entrer dans l'espace de Bernard, parce que lui, il va être là, donc c'est difficile d'arriver tous par là, mais peut-être de prendre une sortie plutôt au milieu de plateau. Pour ceux qui arrivent par jardin, quoi. Ça va, c'est clair ce que je veux dire. Parce que vous, les femmes, vous sortez, que vous sortiez de la même coulisse de Bernard, que Bernard, c'est pas gênant, parce que vous sortez avant lui. Lui, il vous suit, mais il reste là-bas. Plutôt que de venir se placer. Je trouve que ça serait... C'est une très bonne idée. Comme on dit ça, par contre. C'est enregistré. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et il y a une chose que j'aimerais, c'est que vous ayez un regard public. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas. Je l'ai pas eu. Justement, l'autre fois, tu nous avais fait un moment changer le côté du regard. C'était chouette sur le côté. Est-ce qu'il y a un moment où on peut le faire? Il y a eu un moment, oui, où il y en a qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait. Sur la partie la plus forte. C'est ça. Moi, j'aimerais bien le voir au moment du forte. Parce que vous êtes en place depuis. Il y a encore un cycle, il me semble. Et que sur le forte, paf, nous on est tous les yeux vers le public, ça serait bon. Par contre, sinon, moi qui veux chanter, il faudra bien commencer à bouger. Ça crée un truc. C'est très bon. Est-ce que cette fois, on le réenregistre et on fait tout ça et on enchaîne sans parler? Oui, mais on enchaîne sans parler. Et après, le nez quelque part. Thank you.
choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. C'est dur énormément d'être en place, c'est si on est deux, si on n'est pas ensemble. Je ne fais pas du tout comme toi. Ouais. T'inquiète pas. Non, c'est vraiment Oui. Alors, pour moi, super. Le passage, là, ça marche très très bien. Alors, ça a mis un petit temps avant de s'installer. Est-ce que vous avez senti? Oui. Est-ce que c'est toujours comme ça, physiquement? Vous calez-vous et vous calez-vous. Ça devrait tout ensemble. Physiquement. Normalement, on prend le pas dès le début et là, je pense qu'on est, on n'avait pas trop la vie. Enfin, moi, je n'y ai pas pensé. D'accord, j'ai commencé à bouger tout ça. Ah oui, moi, j'étais un peu. Normalement, c'est les premiers.
première mesure de guitare où on s'est dit on part pied gauche et on commence à se balancer. C'est vraiment bien. Et là, on est reparti tout de suite. Voilà. Bon, bah alors voilà. Si on se redise le pied de départ gauche. Gauche. Pied gauche. En tout cas, ça, c'est marrant parce que vous aviez vraiment quelque chose de très commun. C'est-à-dire, c'est plus balancé ici au niveau du bassin. Vous, ça l'est moins, mais c'est pas grave parce que vous faites quand même la même chose. Mais vous êtes plus droit que les femmes et ça va très bien. Moi, ça me gêne pas du tout. Du moment que ce soit la même chose, parce que tu as mis du temps à rentrer dedans. Et alors, vraiment, je t'embête, hein, mais tu prends pas ta concentration dans le sol. Prends ta concentration dans le public. Parce que je comprends, moi, ce besoin de fixer pour avoir quelque chose qui te permet d'être en contact avec toi, mais pas dans le sol. Parce que c'est... En général, je regarde pas le sol, là. C'est... Voilà, d'accord. Oh, ben, très bien. Donc, en général, je regarde même le plus haut possible. Ben, pas trop, non plus. Pas trop non plus, mais mets-toi plutôt... sur un appui public, quoi. Parce que vous, sinon, on a plein d'axes de regard différents. Est-ce que vous vous regardez entre vous ou pas? C'est la question que c'est posée au dernier concert. Parce qu'autrement, je suis... On aimerait bien quand même... Eh bien, alors, faites-le. Ouais, bah là, je l'ai fait. Hein, voilà. Alors là, c'est du bonheur, quoi. Bah enfin, moi, j'essaye de faire les deux. Et tu vois, l'autre fois, ce qui m'a pris la tête, on en a parlé un peu, c'est moi, je ne maîtrisais pas tout bien et tout ça. Mmh. Ça faisait plein de trucs à tac-tac-tac. Et du coup, de ne plus avoir le jeu de connivence avec Babel et le public, parce qu'il faisait gros noir, tu vois. Alors moi, j'ai été tout le début du concert, comme ça. Hein, c'est, parce que le chant, pour moi, c'est ça, quoi. Et du coup, je me dis, si ça devient ça, moi, je pourrais plus, quoi. Hein, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est comment je l'ai vécu, on n'est pas tous pareils pour assimiler, et moi je l'ai vraiment vécu comme ça. On ressent tous la même chose, on ressent tous ce besoin de se regarder pour un moment. La question qu'on s'était posée suite à ta dernière intervention, c'est donc tu as souligné l'importance qu'on ait un regard commun. Si on choisit de regarder le public, on regarde le public. Et du coup, c'est vrai qu'au dernier concert, on a tous appliqué ça, mais tellement à la lettre qu'on n'osait pas. Moi, je ne voulais pas ne pas regarder le public. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins d'échanges de regards. Mais non, moi, ce que je dis simplement, c'est de savoir ce qu'on fait. C'est si ça. On se dit, à ce moment-là, c'est plus souple, on se regarde, et puis hop, on reprend appui sur le public. Et puis à tel moment, parce qu'on a besoin de se prendre un appui entre nous, ou parce qu'on a juste besoin de cette complicité-là, parce que le chant, il amène ça. Mais c'est de savoir ce qu'on fait. Mmh. C'est juste ça. Mais après, sans que ça soit trop téléphoné, parce que si on se dit, à tel moment, on se regarde, ça me fait... Non, mais c'est autorisé. Après, vous allez tout... Il n'y a rien qui est intéressant, ni de figer dans un sens, ni de figer dans l'autre. Donc après, vous, si vous savez que c'est un chant qui est en lien entre vous, eh bien voilà, c'est un chant qui est en lien entre vous. Et c'est pas un truc raidasse. Il faut jamais que ce soit raide. C'est pas intéressant. Mais par contre, c'est important qu'on sache, là, si jamais vous avez des moments où vous savez que voilà, il y a des appuis entre vous, ben c'est important que vous vous le disiez pour pas qu'il y en ait qui soient droit public et puis les autres qui se regardent, parce que ça c'est étrange pour le coup pour nous. C'est bizarre, pourquoi eux ils se regardent jamais. Il faut se dire, sur un champ on s'autorise, ou est-ce qu'une fois qu'on s'autorise dans un champ, définir dans le champ les moments où on se regarde? Non, mais c'est pas forcément si figé que ça, sauf c'est plus sur dire un champ on peut faire. Tu sais, il y a un champ où on l'a dit dans l'africain, les filles regardent Anne, je crois. Bon, ça c'est très précis parce que c'est un moment, c'est visuel, c'est un jeu, c'est bon. Après, si vous vous dites ce chant-là, nous, on se dit qu'on le chante, on se regarde, on prend des appuis, sourire entre nous et public, ça suffit. Vous n'allez pas tout écrire, sinon ça va amener une espèce de... C'était juste pour être sûr. Mais oui, c'était une question oui ou non. C'est vivant, spontanéité, on a envie vraiment de partager. Quand on est en arc de cercle comme ça, on n'est pas du tout tous à la même place. C'est plus facile pour moi de vous regarder, par exemple, que pour Sylvie. Enfin, on n'est pas à la même place les uns par rapport aux autres. On se regarde. Il y a des jeux de regard. Et dans ce
là, c'est vrai que après, là, tu peux regarder. Fait, c'est comme dit, que du bonheur tout à l'heure, mais c'est vrai que quand je regarde, c'est super. Ah, c'est ah ouais, c'est très sympa. Voilà. C'est très sympa. Vraiment, ça marche bien. Donc, le ça. Public merde, de temps en temps. Cochon de payeur. Très bien. Ben, on enchaîne alors. Ouais, hein, pour voir comment. Alors. Va, Weden Gusela, va, Vayanga. Va, Weden Gusela, Weden Gusela, va, se Vayanga. Caso meio. Casome yo le casome yo felici me yo le casome 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 yo le casome yo felice felice me yo la felice va vengo se la. Say.